dans Primal, il s'est fait décimer avec l'aide de la Discord. Pic extrêmement intéressant. Oh, Dreamer. Oh, il s'accroche à un caillou, non, il utilise son ultimate. Il a mis le pour s'en sortir, et derrière, bah, il va attraper KSF qui est Discord. Et on le perd dans l'opération, malgré lui qui va réussir à boucler Colorex d'une manière ou d'une autre. Après tout ça, Hydration lui qui va essayer de faire le ménage. Et Doha qui a été repéré, il va pouvoir quand même IUM. Il a touché 3, Gamzunot et Doha sont les victimes. Meko avec son autodestruction. À l'intérieur, et Arster, il veut l'opti sur B2B, c'est un succès. Oh, et le Negator, on va sortir cette hache qui était embêtante pour les Atlanta Arena. Et derrière, il y a un Blade qui va partir directement sur le Baptiste qui est Discord. Et ça va trancher pour Arster. Les deux supports ne vont pas faire long feu. Et il y a déjà 2 minutes de dépenser côté Florida Mayhem. La défense des. Se contenter. Sauf erreur, c'est pas fini, hein. Dernier teamfight, tu l'as dit, on va pouvoir aller contester, on est sur le point du côté de KSF et KSP, décidément, il est inarrêtable, attention, les ultimates d'Atlantara, il peut faire la différence, on a la transcendance qui a été claquée, mais non, KSP réalise un excellent doublé pour l'instant, et les joueurs des Los Angeles Valiant qui devraient, sans surprise, aller sécuriser la fin de ce point. Pour les joueurs de Vancouver à débloquer un petit peu la situation. Pelode recule tout doucement. L'implacable ici qui a été claqué de la part de Dalton. Attention, bien comboté avec un flux gravitationnel. Non, le flux gravitationnel avait été envoyé de la part d'Anbin. Et c'était pour mieux eh bien récupérer les cibles qui tomberont comme une pluie. Pour Sparkle, il a fait un joli quadruplé ici avec sa blade.